Salut à tous, vous êtes tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a, devinez quoi, une nouvelle vidéo de natation synchronisée. Alors ici, comme vous le devinez et comme c'est écrit en haut à gauche, on est en France, plus précisément à Montreuil, et c'est un championnat. Et c'est des filles qui viennent d'Ukraine, ou d'Ukraine, qui vont nager. Donc, ici, c'est très beau, je trouve ça très joli comme elles font. De plus, j'adore quand elles sautent comme ça, c'est trop beau. De plus, vous voyez, elles le font devant des juges, donc c'est assez compliqué. De plus que vous êtes dans de l'eau pas tiède mais froide, bah oui, c'est toujours froid la natation synchronisée. Pour préciser, elles sont exactement 10. Quand vous êtes plus que 8 dans un ballet, enfin plus précisément, il faut toujours un nombre pair car quand c'est pair, c'est mieux. Eh bien, c'est vraiment très complexe. De plus, par exemple, ici, il y a 2 saltos. Je les mets exprès au ralenti car pour que vous voyez mieux à quel point elles... Je peux pas dire pixelise, mais à quel point elles font leurs mouvements, à quel point elles improvisent leurs mouvements. Donc là, par exemple, elles ont même inventé, soi-disant, marcher sur le dos de ses camarades ou ses coéquipiers plutôt. Et là, c'est très beau. Je trouve ça très beau quand c'est étoilé. C'est très beau à voir, mais par contre, c'est vraiment difficile à réaliser. De plus, en Ukraine, on invente de tout. Ah oui. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. Et mettez un like, ça me ferait super plaisir. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, bah en fait, j'ai dit que la natation synchronisée, c'est un sport assez compliqué. C'est pour ça que je l'adore. Car en fait, vous êtes plusieurs, enfin la plupart du temps vous êtes plusieurs. Et c'est assez compliqué car vous voyez ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin vous l'entendez pas, vous le savez pas, mais dans leur tête c'est ça. Car quand vous êtes plusieurs, vous pouvez pas toujours regarder les autres, surtout quand vous êtes en cascade. Enfin, si en cascade, vous pouvez très bien regarder les autres, ce serait mieux. D'ailleurs, dans mon ancienne vidéo, enfin dans la vidéo que j'ai déjà sortie précédemment, eh bien, j'expliquais ce que c'est que les cascades. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et à mettre un like. Donc, ici, par exemple, c'est très beau le salto. De plus, elle fait un petit, une petite croix. Je trouve ça très beau. De plus, leur ballet, il est très bien calculé. Sachant qu'elles sont 10. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et salut, à la prochaine vidéo !